Galates 6, 14. Galatians 6, verse 14. Galates chapitre 6, le verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Galatians chapter 6, verse 14. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Amen. Le monde, the world, a été crucifié pour nous. Has been crucified for us. Nous aussi, we also avons été crucifiés pour le monde. We've been crucified for the world. Le monde n'a pas besoin de nous. The world doesn't need us. Nous n'avons pas besoin du monde. We also do not need the world. Quand les mondains, quand les hommes du monde, when the people of the world font leur recensement, they do their census, ils ne mentionnent pas ton nom. They do not mention your name. Pour ceux qui pratique la délivrance, nous rencontrons ça chaque jour. For those who practice deliverance, we encounter this all the time. Il y a des frères et sœurs qui ont vu les membres de leur famille et dit que vous n'êtes plus avec nous en vision. There are brethren and sisters who saw the members of the family telling them you are no longer with us in a vision. Dans les songes. In dreams. Vous n'êtes plus avec nous. That you are no longer with us. Il y a une sœur après sa délivrance. There's a sister after her deliverance. Les gens mangeaient. People were eating. Ils lui ont dit, est-ce que toi tu peux même encore manger avec nous? They told her, can you still eat with us? Avant, elle mangeait seulement, elle se rendait seulement compte qu'elle a déjà mangé. In the past, she used to eat and she just realized that she has already eaten. Une femme a dit à une sœur, sa fille. A woman told her daughter que j'ai un cercle dans lequel sont tous mes enfants. C'est toi qui manques, tu n'es pas dedans. That there's a circle. Il faut revenir. There's a circle in which all my children are, but you are missing, you are not in it. You should come back. Le témoignage de cette jeune fille est dans le livre. The testimony of that young lady is in a book. Le brisement des liens. The breaking of evil ties. Elle dit qu'elle a commencé à pratiquer le lesbianisme à l'âge de 8 ans. She said that she started practicing lesbianism at the age of 8. Quand elle nous a rencontrés, elle était âgée de 17 ans. When she met us, she was 17 years old. Elle ne connaissait aucun homme sexuellement. She did not know any man, sexually speaking. Tous ses partenaires, c'était des hommes, des femmes. All her sexual partners were women, ladies. Elle cherchait la délivrance, sincèrement. She was sincerely seeking deliverance. Elle a rencontré les frères de Kumasi. She met the brethren of Kumasi. Les frères m'ont dit qu'il y a un cas ici, il faut que tu vois ça toi-même. And the brethren reported to me that there's a case here, you must look in it yourself. Je leur ai dit, allez-y, vous avez l'autorité, allez, délivrez-la. I told her, go, deliver her, you have the authority. Mais ils ne m'avaient pas expliqué quel était son problème. But they did not share with me the problem of that lady. Après, ils sont revenus me dire, il faut que tu vois ce dossier-là. After they came back to tell me, you need to have a look at this file. J'ai fait venir la jeune fille. I called for that the young lady. Elle m'a raconté son histoire. And she told me her story. Le Saint-Esprit m'a parlé. And the Holy Spirit spoke to me. Que son oncle, l'esprit de son oncle habite en elle. That the spirit of her uncle. Non, l'esprit humain. Il y a un esprit humain en elle. That there's a human spirit in her. Qui couche avec les femmes. That sleep with women. En réalité, elle est juste intermédiaire, mais le vrai, c'est l'homme qui l'habitait qui était à l'action. In reality, in fact, she was intermediary, but it is the man that abide in her that was in action, that was working through her. Elle m'a dit, c'est vrai. And she told me it is true. Parce que mon oncle était mort. Because my uncle was dead. On l'a enterré. He was buried.
Un jour, one day, à 1h du matin, at 1 a.m., il est entré dans la chambre. He entered the room. J'ai eu peur. I was afraid. Et je voulais réveiller ma cousine. And I wanted to wake my cousin J'ai up. J'ai tout fait. I did all I could. Ma cousine ne s'est pas réveillée. My cousin didn't wake up. Et mon oncle m'a dit. And my uncle told me. C'est elle qui parle. L'oncle mort. The uncle who is dead spoke dit, to her. Ne t'en fais pas. Elle ne peut pas se réveiller. She said, he said, do not worry. She cannot wake up. Je ne veux pas faire. Je suis pas venu faire du mal. I didn't come here to harm you. Je suis venu chercher mon sac. I came to fetch my bag. Elle me dit. She told me. Il m'a fait soulever le sac. He made me take the bag. Nous sommes sortis. We went out. Sans toucher le poignet de la porte. Without touching the door. And the lock. Je l'ai accompagné. The handle. Je suis revenu moi seul. I accompanied him and I came back alone. Et toutes les portes étaient fermées hermétiquement. And all the doors were hermetically closed. Et je me suis mis à frapper, frapper, frapper. And I started knocking and knocking and knocking. On est venu ouvrir. They came to open. Et je suis entré. And I entered. Et dit, quand j'ai dit ça à ma grand-mère, she said that when I said it to my elle m'amène chez le féticheur. I reported to my grandmother. She took me to the fetish. Quand je reviens, je suis même plus forte encore. When I come back, I am even stronger. Elle m'a dit. She told me. Un jour, one day, j'étais assise. I was sitting there. Un homme est sorti de terre. A man came up from the earth. Jusqu'à son buste. Until the middle. Et puis, je voulais crier, je n'ai pas pu. And I wanted to shout, but I couldn't. Et il a disparu. And he disappeared. Je lui ai dit, on peut te délivrer. I told her, you can be delivered. Jeûne. Fast. Pour la repentance. For repentance. Elle a jeûné. She fasted. Jeûne pour la délivrance. Fast for deliverance. Au deuxième jour. On a second day. On me dit que c'est très difficile pour elle. They told me that it was very difficult for her. Mais elle a eu une vision. But she had a vision. Il y avait des vieillards réunis. There were old men gathered. Et un vieillard s'est levé. And one of the old men got up. Il lui a dit. He told her. La chose qui est en toi là. The thing that is in you. C'était chez ton père. It non, was. C'était d'abord chez celui-ci. Il a désigné quelqu'un. It was first in such a person. C'est sorti. He pointed to that person. He came out. C'est parti. And went chez celui-ci. To such another person. C'est sorti. It came out. C'est parti chez ton père. And went to your father. Et son père était déjà mort. And her father was already dead. Et il lui dit, c'est sorti de ton père, c'est venu en toi. Now it has come out from your father. It has come to you. On ne sait pas pourquoi tu veux à tout prix chasser ça. We don't know why you want to cast it out at all costs. Quand on m'a dit la vision. When they shared this vision to me. J'ai dit, ok, on n'attend plus le troisième jour de jeûne. Venez. See, I said no. We are not going to wait for the third day of fasting. On a Come. Bombardé. We bombarded. Délivrance authentique. Genuine deliverance. Sa maman. Her mother. Je suis en train de vous montrer que c'est une chose réelle. Ces choses-là sont réelles. I'm just showing you that these things are real. Il n'y a pas de neutralité. There's no nothing neutral. Soit on appartient au diable. We either belong to the devil. Soit on appartient à Christ. Or to Christ. Donc sa mère. Her mother. Sa mère lui dit, je ne te vois pas dans mon cercle. Her mother told her, I don't see you in my circle. Tous sont là, sauf toi. All the others are there, but except you. Ce n'est même pas comme ça qu'elle a commencé. Elle a commencé à lui dire que, oui, je ne te vois pas. She started telling her, I don't see you. Comme on lui avait expliqué tout, la délivrance, la sorcellerie, tout, elle maîtrisait. So donc, elle répondait à sa mère avec sagesse. So as we explained everything to her about deliverance, she knew everything and she answered to her mother with wisdom. Elle dit à sa mère, mais je suis ici tous les matins, maman bonjour, maman bonsoir, je sors, j'entre. Tu parlais de me voir comment, me voici. And she said, c'était d'une façon ironique. So she said, every time I come here in the morning, in the afternoon, good morning mom, good afternoon mom, and you said I don't see me. This elle was dit, non, non. In an ironic way. J'ai she un said, cercle. No.
She said, "No, I have a circle. Tous mes enfants sont dedans. All my children are in it. Donc tu n'es pas dedans. Je ne vois plus dedans. I no longer see you. Il faut quitter l'église où tu es parti là. You must quit the church where you went. Oui, acclamez plus fort. Yes, clap louder. Merci. Thank you. Elle lui dit, quitte l'église où tu es parti. She told her, quit the church where you went. Elle a pris l'enfant, She took the young lady. Elle l'a amené chez sa grande sœur, donc la tante de la jeune fille. She went with that her daughter to her sister, her elder sister, that is the aunt of the young lady. Elle lui demande de dire à cette fille-là, à cette jeune fille, de quitter la CMCI, de quitter. She told her, d'aller chez les catholiques. She told her elder sister to tell her daughter to abandon, to quit CMFI and go to the Catholic. Sa tante lui a dit, il faut la laisser. Her aunt told her, enfin, la tante de la fille a dit, il faut la laisser. Donc sa sœur lui a dit de laisser. Her elder sister then told her, leave her. En revenant de chez sa sœur, ils sont venus directement à la maison chez nous. On her way, when they came back from her elder sister, they came directly to our house. Mais dit de dire à sa fille de ne plus venir chez nous. She came to tell me to tell her daughter no longer to come to our church, to our community. Elle dit, Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit qu'elle ne va pas à l'école, elle n'étudie pas. I asked her, what has she done? She said she doesn't go to school, she doesn't study. Pendant les vacances là, je dis, est-ce qu'elle a déjà échoué même? I said, we are in the vacation. Elle n'a même pas fréquenté. Elle n'a pas échoué pour venir dire qu'elle n'étudie pas. I asked her, has her already failed? She said, no, she has not failed. Moi, je savais que c'est une sorcière. So I knew that she was a sorcerer. Donc je disais, la fille que tu vois là, c'est ce que Jésus a fait pour elle. And I told her, your daughter that you see, she herself knows what Jesus has done for her. Elle est partie au village. She went to the village. Elle a mené un vieux avec l'eau du zi. She brought l'eau du Komoué. Ça doit être l'eau du Komoué. She brought an old man with the water from a river called Komoué. Le vieux est venu. The old man came. Il lui dit, il faut te laver. He told her, wash yourself. Elle dit non. She said no. Il dit non, lave-toi. She said no, wash yourself. Zéro. Nothing. Vers 19h. Around 7 le vieux commence à crier qu'il ne peut pas dormir ici. The le feu, old man, le feu. The old man starts shouting that he cannot sleep there. Fire, fire, fire. Jésus Christ. Jesus. Et ils ont laissé la fille, l'enfant tranquille. And they left her in peace. Et un jeune a prié ici. One day a young man prayed here. Il dit, je veux fuir les passions. He said, I will flee from the passion. Je fuis Satan. I will flee Satan. Dieu lui a parlé. God spoke to him. Ces choses-là, these things, ont derrière, it behind le these diable things, lui-même. It is the devil himself. Si dès que tu comprends, as soon as you understand, que en fuyant les passions, that by fleeing from passion, tu fuis le diable, from passions, you are fleeing from the devil. Tu seras vainqueur toujours. You will be always overcomer. Il y a des pièges. There are traps. Si tu tombes dedans, if you fall in it, c'est là où Satan se révèle à toi maintenant. This is where, it's at that moment quand that tu Satan, es déjà dans ses mains, when you are already in his hand, it is at that moment quand that tu es loin, he will reveal himself to you. When you are far, c'est encore la musique du monde. Dun, dun, it dun, is still dun, dun. The worldly music. Quand tu es déjà dedans, when you are already in it, les cornes, the horns, Satan lui-même, Satan himself. Quand tu fuis, when you flee, le péché, sin, c'est que tu ne veux avoir aucune part avec le diable. It means that you do not have, you do not want to have any portion with the devil. Satan le sait. Satan knows it. C'est pour cette raison qu'il disait à l'enfant de rentrer chez les catholiques. That's why that woman was telling her daughter to the other one to tell her daughter to go back to the Catholic. Parce que là-bas, because there, et ils jouent avec le diable. They joke. I mean, they play et with ne sont people. Pas troublés. They are not troubled. Mais là où elle vient de partir là,
That place where she rapidement repentant, rapidement brisement des liens, rapidement on ne la voit plus. Non, faut qu'elle rentre. Quickly repentance, quickly breaking of evil tie. Quickly, she is no longer. We can see her no longer. Et bientôt, she should go back. Il va vider la famille. And very soon, puisque c'est un influenceur puissant, he will empty the family because it is a powerful influencer. Qui a cru et les membres de sa famille l'ont suivi? Who believed and the members of his family followed him? Trois personnes pour rendre témoignage. Three people to come and testify. Bon, c'est là, c'est bon. Ça va comme ça. It's arrêtons. Okay. Merci. Stop. Thank you. Oui, vas-y. Yes, bon, come. Si c'est plus de 10, tu parles. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je me nomme Nathanaël Médard Djega, missionnaire basé à Divo, chargé de la conquête de la région spirituelle du Lodjibwa. Je suis ici non pas pour rendre témoignage par rapport à ma famille, mais il y a une dame qui est ici présentement, qui a juré avec imprécation qu'elle jamais, jamais, jamais ne va quitter le catholique, elle ne va quitter l'adoration de Marie, c'est pas possible. Elle était à Divo, elle est sage-femme. Je lui ai prêché la repentance, elle a accepté, mais elle dit, partez dans votre église. Laissez maman Marie, ce n'est pas possible. Si c'est ça là seulement, on l'invite au programme, elle dit, votre programme, je peux aller. Mais quitter maman Marie, je ne peux pas. Et alors, je lui ai dit un jour, mais est-ce que tu sais que j'ai vu à l'église catholique, on est rentré dans une cour, le temple, les gens se sont... Ils ont mis des bancs, ils sont assis, et puis on a mis la statue, on adorait. Voilà ce que la Bible dit. Elle dit, mais ça c'est petit. Chez nous, on met poudre sur maman Marie. Là. On met chèque, bout de rein et tout, mais je ne quitte pas. Elle dit, c'est pas possible. Micro, technicien. Alléluia. Mais je suis surpris que lors du renversement des principautés de cette année, elle est venue sur invitation d'un frère. Elle a brisé maman Marie. Elle a laissé tout tomber. Jésus-Christ. Où est-elle? Elle est là. Elle a été baptisée. Elle suit avec nous. Elle est là. Qu'elle vienne saluer l'église. Lilian, lève-toi. Jésus travaille. Jesus works. Elle et sa fille. Jésus travaille. Jesus works. Jésus travaille. Jesus works. Jésus travaille. Jesus works. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Ne be ashamed. Jésus travaille. Jesus works. Non, elle va parler l'an prochain. Avec votre permission, c'est une grande donatrice de la bonne pastorale. Non, qu'elle vienne me saluer. Come and greet me. Tu as fait une bonne chose par la puissance du Saint-Esprit. You have done a great thing by the power of the Holy Spirit. Maintenant, il faut aller influencer les autres. Now, go to influence the others. Dieu est avec toi. God is with you. Ceux qui vont te bénir seront bénis. Those who bless you will be blessed. Ceux qui vont s'opposer vont rencontrer la main droite de Dieu. Those who will oppose you, they will encounter the hand of God. Gloire à Dieu. Elle a même influencé sa propre fille qui est là également. Que le nom du Seigneur soit Jesus. Béni. Amen. Jesus. Suivant. Next. Alléluia. Moi, je me nomme la sœur Edith, mon faisait disciple, c'est la sœur Caroline. Je viens d'Aboisso. Je voulais bénir le nom du Seigneur qui m'a délivré. Vraiment, j'étais à Abidjan. J'étais prostituée, je me prostituais. Je cherchais un garçon et je fumais dans la drogue. Avant de me prostituer, je me droguais. Et j'étais dans cette ville. Je faisais des tatouages partout, des piercings partout. Et j'étais la risée de ma famille. Ma vie, j'étais rejetée de ma famille. Parce que mes parents me disaient, droguée, ceux qui fument drogue, ceux qui se prostituent, elle ne peut rien devenir. Les gens se moquaient de moi. Ma vie était troublée. Je pensais que Dieu n'existait plus dans ma vie. Et c'est comme ça que je suis allée dans des églises. J'ai cherché des églises partout. Je partais même dans l'ensemble de Dieu pour chercher la délivrance. Frère, quand je m'en vais dans les églises, ma situation devient encore plus pire.
Je me retourne encore dans les alcools, dans les drogues, mais le garçon devient encore plus pire dans ma vie. J'étais fatiguée. Il restait un peu, mais je voulais me suicider. Mais je cherchais toujours la face de Dieu. Je cherchais toujours la face de Dieu. Ma grosse qui était dans l'assemblée de Dieu me prenait. Elle m'envoyait à l'église. On faisait des jeûnes, mais ça ne changeait pas. Jusqu'à ce que Dieu va se révéler de moi. Il va me dire, ma fille, va à Krendjabo et va me servir. Je l'ai obéi. Je suis venu à Krendjabo. Mon dirigeant, Pasteur Théo, et ses disciples m'ont prêché l'évangile de la vraie repentance. Est-ce que le frère Théo est là? Is Pasteur Théo around? Va te tenir auprès de l'enfant. Stand here. Oui. Yes. Voilà le dirigeant here de la conquête du Sud Comoué. Le dirigeant de la conquête dans le Sud Comoué. The leader of the conquest in Sud Comoué. Et quand je suis arrivé, ils m'ont parlé de Jésus. Ils m'ont conduit à la repentance. Ils ont fait mon baptême. Ils m'ont baptisé. Après le baptême, le brisement des liens. Je t'ai délivré totalement. Jésus-Christ. Jesus. La drogue, la prostitution. L'alcool, le mensonge. Lies. Tout est banni. All is banished. J'ai fait un voyage à Abidjan. Mes parents qui m'avaient rejeté, ma grande soeur, ma famille qui m'avait rejeté, j'ai acheté un livre de renversement des principautés et un livre de brisement des liens. J'avais ce livre-là dans mon sac et je suis allé à Abidjan. Arrivé là-bas, quand ma grande soeur m'a vu, qui a fait 30 ans dans l'assemblée de Dieu, mais qu'elle m'a vu, elle a vu un changement en moi. Elle a vu que j'étais délivré. Je n'étais pas la même. Automatiquement, ma grande sœur m'a dit, ma petite sœur a croisé Jésus. Ma petite sœur a changé. Celle qui fumait drogue, celle qui se prostituait, qui fumait, qui faisait palabre, elle a changé. Ce Dieu qu'elle a trouvé, il faut qu'elle le donne. Je lui ai donné le cahier de brisement des liens et la repentance. Elle a lu. Elle a trouvé que sa situation. Elle a lu le renversement des principautés. Qu'elle a lu, elle a vu sa misère. Elle a vu sa misère et automatiquement elle m'a demandé, est-ce que les gens de ton église là, ils sont à Trècheville? Il a dit oui, ils sont à Trècheville. Automatiquement elle m'a dit de les appeler. On a appelé le missionnaire de Kumasi. Il les a conduits à la repentance. Aujourd'hui, est-ce qu'il est là? Is he around? Oui, Léon. Non, c'est Patricia. Son mari et son tonton Jacques, il est là. Ok, aidez pas. Son mari s'appelle Ata Jacques. Il est là, il a donné sa vie à Jésus. Toute ma famille a donné la vie à Jésus en me voyant changer. Ma grand-sœur, ma maman, toute ma famille entière a donné la vie à Jésus. Je voulais bénir le nom du Seigneur qui m'a sauvé, qui m'a donné vraiment le salut éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le dirigeant de Marc-Horry. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. En fait, c'est une famille. M'avait été confié, elle m'avait été confié par le pasteur à moi, Billy. Et je suis allé voir la famille, j'ai déposé l'évangile, j'ai prêché l'évangile à sa grande sœur, qui s'appelle Ata Clémentine. Elle a accepté Jésus, et j'ai appelé son mari sur le champ, lui aussi il a accepté Jésus. Alléluia! Et toutes les familles ont donné leur vie à Jésus. Mais elle, je ne la connaissais pas. C'est à Tiekwa ici que je l'ai rencontré. C'est à Tiekwa que je l'ai rencontré, mais je ne savais pas que c'était elle. Donc vraiment, je voulais dire merci. Elle est transformée. Viens me saluer. She's transformed. Come and greet me. Donc, c'est... Bénissons là, elle est fiancée. Let us bless her. She's engaged. Nous libérons tous les moyens. Let us release all the means. Pour que ce mariage vienne à l'existence. For this marriage to come to existence. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Donc c'est Ata Jacques, qui est la grande sœur. Non, Ata Jacques, qui est l'époux de Ata Clémentine. Acclamation. Clap offering. Oui, qu'il vient me saluer. Let him come and greet me. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sawadogo Esther. J'ai pour faiseur de disciples Maman Colette Meillet. Et
c'est en janvier 2023 que j'ai fait la repentance en ligne au travers de la RTVC. Gloire à Dieu. Et je vous dis, de ce moment à maintenant, j'ai 5-10 personnes de ma famille, directe ma famille, qui se sont données à Jésus-Christ. Alléluia! Ça, c'est ma famille. Mais quand j'ai fait la repentance en ligne, j'ai appelé une de mes petites sœurs. Je lui ai expliqué comment les choses se sont passées. Et elle a dit, oui, moi aussi, je me donne à Jésus. Pourtant, elle est une responsable dans son église. Responsable. Son mari est pasteur de cette église. Et quand elle m'a écouté, elle a fait exactement ce qu'on m'a demandé de faire. Je lui ai expliqué, elle a fait la même chose. Et elle s'est donnée, l'an passé même, elle était avec moi au renversement, 2023, elle était là. Acclamation à Jésus. Alléluia. Et vraiment, avec le changement qu'elle a eu, elle dit, personne ne peut l'enlever de cette église. Et dans son quartier, nous sommes en train de vouloir même implanter, elle a gagné des âmes là-bas. J'ai dit merci au Seigneur. J'ai une autre petite sœur, elle aussi, elle était dans une dénomination. Elle n'est pas dans notre ville, elle est à Tenkodogo. Elle aussi, quelque temps après, elle est venue dire qu'elle veut donner sa vie à Jésus. On lui demande pourquoi tu veux donner ta vie à Jésus, pourquoi tu veux passer par la vraie repentance, te faire baptiser et puis faire le brisement. Elle dit parce que je vois la vie de ma grande sœur, je vois qu'il y a un changement. Donc je dis merci au Seigneur. Vous voyez, la petite qui criait tout de suite, elle est venue, elle était venue pendant ses vacances pour faire, elle est venue à un camp biblique des assemblées de Dieu, c'est une nièce. Donc, après son camp biblique, elle est venue pour me rendre visite. Quand elle est arrivée, je lui ai prêché l'évangile, elle a accepté, elle est passée par les 3 jours de repentance. Donc, comme on était pressé pour venir, elle n'a pas eu, on n'a pas fait le brisement de liens ni... Non, ça sera fait ici. Et quand elle a appelé sa maman au village, sa maman m'a appelé, elle dit qu'elle-même, elle vient. Qu'après notre retour, Jésus. Elle vient pour donner sa vie à Jésus. Alléluia! Vraiment, je ne sais pas comment dire merci, parce que ceux qui ont été sauvés authentiquement dans ma famille, au village, je vois le Seigneur a fait des merveilles. Ils ont même eu des visions où tout le village, où il y a une assemblée même dans ce village, et les gens se convertissaient. Je rends grâce à Dieu, infiniment grâce à Dieu. Et moi-même, je dis merci au Seigneur, parce que c'est vrai. Depuis j'ai commencé dans les assemblées de Dieu depuis petite, mais mon témoignage n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui. Quand je suis passée par la vraie repentance, le baptême et le brisement des liens, tout le monde voit un changement. Quand je suis retournée de l'IMPJ dernièrement, j'ai des collègues de service qui sont venus me voir, me poser des questions. Comment faire pour avoir une maman en Christ? Je les ai expliqué. Ils disent qu'à partir d'aujourd'hui, là, tu es notre maman. Non? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je dis, attendez. Il y a une qui est musulmane, l'autre est catholique. Je suis allée les annoncer l'évangile clairement. Je dis, vous acceptez Jésus? Elles disent oui. Et elles sont prêtes. C'est quand on va repartir, là, ils me précèdent et ils veulent le baptême, passer par la repentance. Je leur ai donné le temps de jeûne, comme nous voyageons. Donc, elles disent qu'à notre retour, ils vont passer par le baptême, la repentance. Donc, il y a beaucoup de témoignages. Pourtant, vraiment, je suis dans l'Assemblée de Dieu il y a longtemps, hein, depuis 12 ans. Mais il n'y avait pas eu cet impact. Même ma petite frère qui est femme de pasteur, j'étais étonnée qu'elle s'engage et qu'elle voie que vraiment moi-même je tremble pour elle. Il y a des persécutions, elle m'appelle, elle dit que non, les collègues de son mari, les pasteurs, elle dit qu'elle, elle a choisi Jésus. Donc je ne sais pas comment dire merci à Dieu, que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Amen. Suivant. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Ida Nyoma, disciple de maman Henriette Baga. Je viens de la PSU Yaoundé. Gloire à Dieu. Je veux témoigner pour la conversion des membres de ma belle famille. Amen. Moi et mon époux, on a grandement influencé dans sa famille.
Amen. On a tellement influencé qu'il y a même eu un mariage qui est parti de notre témoignage. Donc, on a sa petite sœur qui était dans le péché et à qui on a prêché. On a prêché, elle vivait avec un monsieur. Et on a prêché l'évangile, on lui a dit, ce n'est pas normal, ce n'est pas le plan de Dieu. Et avec le gars, on a aussi prêché au gars. Ils ont décidé de se séparer. Ils se sont séparés et ensuite, ils ont régularisé leur situation. Amen. Le frère et la sœur dans leur village ont une assemblée et c'est eux qui essayent de pénétrer avec l'évangile au niveau du village. Amen. Et aussi avec sa cousine, il a une cousine, on a prêché l'évangile, j'ai pris le temps de la bâtir, amen. Alléluia. Et présentement, c'est elle mon aide, amen. Acclamation. Amen. C'est elle mon aide, c'est elle mon... sur la personne sur laquelle je m'appuie dans ma maison parce qu'elle vit avec moi dans ma maison. Elle a accepté le Seigneur et elle est en train d'avancer. Elle a fait son brisement de lion au Cameroun et elle avance avec le Seigneur. Amen. Amen. Et on a aussi une jeune nièce de mon mari qui était venue en congé. J'ai prêché l'évangile et elle aussi, elle a donné sa vie à Jésus. Amen. Donc, il y a 4 personnes dans ma belle famille qui ont cru. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. Jesus Christ. Dieu est en train de nous parler. God is speaking to us. Avant de continuer, pose les mains sur ta tête. Before we continue, lay your hands upon your head. Dis, oh Dieu, bénis-moi. Say, oh God, bless me. Dis, je veux rendre, moi aussi, je veux rendre ces témoignages. Say, I also would like to give these testimonies. J'ai besoin de ton onction. I need your anointing. Continue à prier là. Keep praying in tongues. C'est une vérité. It's a truth. Élu. Elected. Établi. Appointed. Pour être ministre et témoin. To be minister and witness. Enfin, les gens disent que la Bible est difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là? People say that the Bible is difficult to understand. What do we not understand here? Dieu dit qu'il nous a choisis. God said that he has chosen us. Pour nous établir ministres et témoins. To appoint us ministers and witness. Ne sois pas un simple témoin. Do not be a simple witness. Sois ministre et témoin. Be minister and witness. Ta vie est une organisation. Your life is an organization. C'est un ministère, ta vie. It's a ministry, your life. Tu es une institution. You are an institution. Toi seul. You alone. Si on te dépose dans une localité, if we put you in a locality, les choses vont changer. Things will change. Ça ne peut pas être autrement. It cannot be otherwise. Les choses vont changer. Things will change. Toi seul. You alone. Tu es un ministre et un ministère. You are a minister and a ministry. Un témoin et un témoignage. A witness and a testimony. Ce que le diable peut faire, that which the devil can do, c'est comment détruire ça. Is how to destroy this.
Ce ne sont pas des choses que tu cherches. These are not things that you seek. Ce sont les acquis. These are things that have been acquired. Des nominations divines. A divine appointment. Ça vient de Dieu. It is from God. Ce n'est pas une manipulation. It's not a manipulation. Il n'y a pas un diplôme. Si quelqu'un te dit je vais te donner un diplôme, c'est qu'il veut t'escroquer. If somebody tells you I will give you a certificate, it means ça vient du Saint-Esprit. He wants to crook you. This is from the Holy Spirit. Le principal dispensateur des diverses grâces de Dieu. The main dispenser of the diverse graces of God. Nous pouvons changer le monde. We can change the world. Et nous devons changer le monde. And we should change the world. Fuyons les passions. Let us flee. Ça freine. The passions. Les passions. The passion break. Nous étouffe. It choke us. Les passions nous distraient. Passion distract us. Ayons une passion. Let us have a passion. Christ. Christ. Sur le trône. On the throne. Christ. Prêché. Preached. Christ. Christ. Reçu. Received. Christ. Christ. Vécu. Lived. C'est-à-dire nos cerveaux travaillent. That is our brains work. Pour que cela soit évident. For this to que ça vienne à l'existence. For this to become evident, that is to come into existence. La passion de ceux qui ont vu ça dans leur famille doit nous instruire. The passions of those who experience this in their family should instruct us. La jeune sœur pour qui j'ai prié que Dieu lui donne un conquérant, elle est passionnée. The young sister for whom I pray that God gives her a conqueror, she's passionate. Elle parle avec passion. She speaks with passions. L'école de la connaissance du service de Dieu ne doit pas rater ses traces. The school of knowing and serving God must not miss this case. Si elle trouve un fiancé, qu'on vienne me montrer le gars. If she finds, je lui pose quelques questions. If she finds a fiancé, this man should be shown to me. Parce que le diable peut envoyer un fleque là. I will ask him question because the devil can bring a weakling. Il dit va l'étouffer. Go and choke her. Un fleque man va venir, je vais t'épouser. And a weakling man can come and say, I will marry you. Pour aller enterrer la vision. To go and bury the vision. Est-ce que tu as pris son nom? Did you take her name? C'est déjà fait. Oh, on va la suivre. We have to follow her. Jésus-Christ. Jesus. Et jeune sœur, young sisters, si tu veux vraiment conquérir, if you really want to conquer, fais attention. Pay attention. Le diable va envoyer les fleque boy. The devil will bring the weakling man. Que tu vas la veiller, une seule veillée, il commence à te gifler. That you go to the prayer night, only one prayer night, he starts slapping you. Tu veux parler, il te dit qu'il va divorcer. And you want to speak, he will tell you that I'll divorce. Les dirigeants des jeunes qui sont là, soyez très sérieux. The leaders of the young people who are here, be very serious. Si tu n'es pas sérieux, tu n'es pas bien. If you are not serious, you are not good. Peut-être là, il faut démissionner. Maybe at this you should, at this stage you should resign. Vous devez veiller sur les mariages. You should watch over the marriages. Les mariages, les vrais, the marriages, the true ones, sont ceux qui rendent la conquête possible. Are the ones that make the conquest possible. Des faux mariages perdent le temps. False marriages waste time.
Tu peux conseiller quelqu'un jusqu'à minuit, une heure du matin. You can stay there advising somebody up to midnight. Et il ne change pas. And it doesn't change. Ça perd le temps. It wastes time. C'est le plan du diable. This is the plan of the devil. C'est un garçon, cours, libérez-moi, libérez-moi. J'ai vu, libérez-moi. Some young men run, release me, I've seen, release me. Et on les libère. And we release them. Après 10 ans, ils ne se marient pas. And after 10 years, quelqu'un qui disait, libérez-moi vite, they don't get married. Someone who was saying, release me quickly. Si tu n'es pas prêt, if you're not ready, tu te calmes. You cool down. Quand nous avons cru, when we believed, on nous a dit d'oublier. They told us to forget. Un jour, je voulais m'amuser. One day, I wanted to play. J'ai dit bon, je suis en seconde. I told myself that I am in class. In form 5. Je veux passer en première. I will go to lower 6. Et je vais en terminale. And after, I will go to upper 6 form. Et puis, j'ai fait première année d'une école de formation, deuxième année, troisième année. Je me retrouvais à 6 ans. J'ai dit, hey, ils ont raison, hein. And after 1 year, 2 years of training in the school, I will find myself with 5 years or 6 years. I said, oh no, they are right. J'ai oublié. I forgot. Quand j'ai pensé pour la première fois sérieusement au mariage, c'est quand j'étais à Dakar. For the first time that I started thinking of marriage earnestly, it is when I was in Dakar. Je me suis dit, mais je suis déjà à l'école de formation, je peux déjà réfléchir sur ce dossier. I told myself that I'm already at the training school, I can at least think about this file. Et ça a marché. And it worked. Les jeunes doivent faire attention. The young men must beware. Parfois, il y a le petit homosexuel caché parmi la jeunesse. Sometimes there are small homosexuals hidden in the midst of the youth. Si vous voyez un jeune homme, if you see a young man, qui explique bien comment il réussit dans le monde des affaires, comment il y a les ouvertures, c'est des petits homosexuels. Who is very passionate in explaining how he succeeds in the world of business, these men are young homosexuals. Ils vont finir un jour de vous révéler que leur secret, c'est parce qu'ils font ça. And they will finally reveal to you that their secret is because they practice this. Donc, c'est un milieu dangereux. So it's a very dangerous environment. Nous qui sommes en Christ, vous les jeunes. We who are in Christ, you the youth. Vous devez être tranchant. You must be sharp. Il y a le diable derrière. There's the devil behind. Vous avez écouté le témoignage. You listen to the testimony. Un nain, on coupe la main, il revient. A dwarf, they cut his hand. On coupe l'autre main, la main revient. Cut the other hand, it comes back. Ça, c'est quand tu t'engages dans les vrais combats. This is when you are committed in real battles. Je vais vous dire une chose. I'll tell you one thing. Faites attention. Pay attention. Si vous avez un dirigeant, if you have a leader, qui ne pratique pas la délivrance, who doesn't practice deliverance, vous êtes en danger. You are in danger. Si on ne faisait pas le renversement des principautés, if we did not carry out the overthrow of principalities, ceux-ci seraient en train de faire le mapuka. These brethren will be dancing mapuka. Et le renversement des principautés a introduit la conquête dans le foyer de mapuka. And the overthrow of principality introduced the conquest in the environment of mapuka. Vous avez écouté le témoignage. You listen to the testimony. Un dirigeant, a leader, qui ne brise pas les liens, who doesn't break the ties, qui n'attaque pas les démons, qui attend qu'un démon se manifeste un jour, who does not attack the demons and who wait for the demons to manifest one day, qui n'a pas de méthode offensive, who does not have any offensive method, il attaque l'ennemi dans ses bases, no offensive method and that attacks the enemy in his bases, qui casse les liens, casse les chaînes, and break the ties, break the casse les tombes dans lesquelles les biens, les bénédictions sont envoûtées. Break the graves in which blessings and properties are hidden. S'il ne le fait pas, if he doesn't do that,
On ne peut même pas avoir de serviteur. We'll not even have servants. Parce que la Bible dit que c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham, qu'après que les enfants d'Israël auront été délivrés de leurs ennemis. It's the promise made to Abraham that after the children of Israel have been delivered from the enemies, ils allaient servir Dieu sans crainte tous les jours. They would serve God without fear every day. En marchant devant Dieu dans la sainteté. By walking before God in holiness. Donc sans délivrance, so without deliverance, on n'aura pas we will not have une armée qui marche devant Dieu sans trembler. An army that walk before God without trembling. Tu vas dans ce village du Mapuka. You go into that village of Mapuka. Le nain sort avec la machette. And the dwarf comes out with d'abord, tu ne sauras même pas qu'il y a un nain devant toi qui a une machette. With a cutlass. And first of all, you don't know that there is a dwarf in front of you who has a cutlass. Le nain ne va même pas sortir. The dwarf will not even come out. On va lui dire que non, la personne qui est venue là, bon, il n'y a rien, va dormir. They will tell him that the person who came does nothing, go and sleep. Ce nain-là ne sort que quand le feu de Jésus est là. That dwarf only comes out when the fire of Jesus is there. Et il dit qu'il était en train de prier. And he said that he was praying. Selon les orientations qui avaient été données. According to the orientation that were given. Que Seigneur, pardon. Forgive. Parce que pendant que nous sommes même en train de prier maintenant, because while we are praying here now, certains sont en train d'être dans l'idolâtrie. Some are practicing idolatry. D'autres sont dans l'homosexualité. Others are in homosexuality. Donc pardon. So forgive. La prière est Dieu a exaucé. God answered. Le piquantier déjà lui, il a été arraché du désert. His elder brother. Was taken Jésus, out of on apprend tout ça ici, mes amis, c'est ici. It's here. Acclamons ensemble Jésus-Christ. Clap for Jesus together. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand upon. Dis, oh Père. Say, oh Father. Fais de moi. Make of me. Un instrument de délivrance. A tool of deliverance. Un instrument de délivrance. A tool of deliverance. Oh Père. Oh Father. Que là où je suis. Let wherever I am, que là les choses changent. Let things change there. Que quelques jeunes viennent prier comme ça. Let few people come and pray like that. J'ai cinq prières que j'appelle les prières pastorales. I have five prayers that are called pastoral prayers. 10 personnes. 10 people. Que là où je suis là les choses changent. That's oh ça y est notre Dieu. Things change. Descends ton onction sur moi. Je prie que ta puissance me soit donnée. Que là où je suis, que les choses changent. Que les hommes soient délivrés. Que les âmes soient gagnées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Éternel, je crie à toi, Père. Manifeste ta puissance afin que là où je suis, que les choses changent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ô Père. Je supplie ta grâce. Seigneur, fais que là où je suis, je puisse impacter, influencer, et qu'au travers de moi, Seigneur, les âmes soient gagnées, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, maître de la moisson, Jésus de Nazareth, je m'engage dans tes combats. Je m'engage dans tes combats. Je veux pratiquer la délivrance. Je veux pratiquer la délivrance. Je veux pratiquer la délivrance. Je veux prêcher l'évangile. Je veux pratiquer la délivrance. Et je veux prêcher l'évangile. Je veux bâtir les âmes. Je veux délivrer les âmes. Je veux pratiquer la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Seigneur, partout là où je suis, que les choses changent. Que l'évangile soit imposé. Que le diable tremble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Père, je prie. Que tu fasses de moi, Seigneur, un instrument de délivrance. Et que là où je suis, que les choses changent, que les choses avancent. S'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je crie à toi, Éternel, que tu fasses de moi un instrument de délivrance. Que je pratique la délivrance. Que je pratique la délivrance. Là où je suis, que les choses changent. Que les choses changent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur éternel,
Je crie à toi, Seigneur notre Dieu. Fais de moi un instrument de délivrance, Seigneur. Je t'en supplie, ô Père, avec là où je suis, Seigneur. Le chauchant, Seigneur. S'il te plaît, fais-le pour ta seule gloire. Amen. Ô Père, je crie à toi au nom de Christ. Que tu interviens. Je prie que tu me possèdes même. Ô Père, accorde-moi une notion convenable, ô Père. Que partout où je suis, que ce soit un instrument de salut et de délivrance des nations. Au nom de Jésus-Christ. Amen.